Il fait 7 heures dans notre studio Télévision Nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour, bonsoir tout le monde. Sur la télé, nous sommes avec aujourd'hui, mercredi 5 décembre, pour nous capables de présenter tout ça qui a dominé l'actualité en termes d'information. Mais déjà, nous souhaitons passer un très bon mercredi sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, présenté dans l'aéroport international à Toussaint l'ouverture, mardi 4 décembre, bilan voyage à 24 temps, les fait dans Trinidad, en Tobago, à pays Cuba. Chef l'État a profité de renouveler l'engagement pour capable de créer un climat de paix et de stabilité dans le pays et puis encourager le dialogue dans tout secteur de la vie nationale. Membre conseil supérieur police nationale, CSPN, répond à mardi 4 décembre la question à l'Assemblée sénatoriale sur divers points qui pourraient avec la sécurité du pays d'Haïti. Renforcer capacité pays francophone et puis faire promotion pour femmes et jeunes créer propre business payo, c'est objectif d'un forum organisation internationale francophonie OIF l'ouvrir à Yemadi en baptême entreprendre en francophonie. Et puis à l'étranger, 4 personnes mouri, 2 autres sont blessés. C'est bilan un accident avion qui arrive dans la nuit là dans le nord-ouest pays Mexique. C'est grand point ça que Claude a gagné pour nous capable de développer pour jeudi mercredi dans le journal là. Mais avant de nous faire développement, on a pris une pause tout court, pas déplacé, n'a pas tourné à l'heure. La première chose pour fidélité ou attention à l'édition nouvelle c'est là. Et nous retournons après pause pour nous capable de développer toute information pour vous. Et nous te disons dans grand titre, président de la République là, Jovenel Moïse, retourner dans le pays. Dans le pays Cuba et puis profiter annoncer disposition qui prend pour améliorer conditions la vie boussi haïtien qui arrive dans le pays Cuba. On nous suivre extrait la déclaration président de la République là dans micro Sabine Jean Etienne à Genève du Verbe. Moi j'ai participé dans l'investiture président Manuel Lopez Obrador qui est le nouveau président mexicain. Hein? Et moi, j'ai eu une chance de parler avec plusieurs autres chefs d'État que j'ai rencontrés qui ont participé dans l'investiture. Et moi, j'ai fait plus de temps avec le président dominicain, hein? Le président Medina, qui nous a fait longtemps. Torchelles Family. Sous coopération haïtiano-dominicaine, non? Et sous relations que nous allons gagner dans les affaires, infrastructures agricoles dans le pays, parce que lui-même actuellement, il y a pile d'infrastructures agricoles qu'il a développé dans le pays PAL. Ensuite, je suis retourné à Haïti, et j'ai dit hier, je suis quitté le pays, je suis allé à Trinidad. Je suis participé à une réunion spéciale, chef d'État caraïbio, sous question marché commun et économie unique. Il faut ne pas oublier, ça qui est plus important dans le sujet, c'est affaires libre circulation monde dans l'espace Caraïbe. Ça veut dire, même Jean Babad de Sotfel, qui permet à Haïtiens aujourd'hui qui a voyagé librement, il doit aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier, car il comme dans son espace que lié, c'est pour ça qu'on a travaillé, mais il y a pile. Travail nous-mêmes qui bon côté pas nous pour nous faire dans le niveau parlement grand pile accord qui mérite pour ratifier grand pile projet de loi tout qui gagne qui pour voter et nous parlons travail avec président sénat république là président chambre député hein, pour nous travail sur pour accorder guide à nous sur agenda législative année qui venir qui pour permettre nous travail pour nous mettre pendulio à l'heure pour nous capables de mettre nous dans une situation côté tout pays dans le Caraïbe là, nous-mêmes, nous capables de mettre au pas avec nous
dans toute démarche que nous allons faire pour permettre de faire libre circulation des personnes dans l'économie unique qui a balayé, l'ivine possible. Parce que dans l'affaire économie unique, pour ne pas oublier, bon problème de tarif lié à tarif pays caribéen. Dans le pays Cuba, dans 20 l'année de coopération bilatérale que Haïti a avec Cuba, le 4 décembre 1998, Haïti a signé un accord de coopération avec Cuba. Et il était important pour moi pour me parler et pour me parler avec le président Diaz-Canel qui était reçu voir et pour me dire que chaleur que nous recevons dans le même président Diaz, fait une coopération, ça a gagné 20 ans, il a voulu durer longtemps. Et pour me dire que nous avons parlé avec lui, comment pour nous faire pour nous réviser la coopération. Parce que j'en ai qu'on aime dit, on va continuer, on va corriger, on va innover. Je dis en coopération, ça a ben nous plus passé 1000 médecins qui formaient Cuba. Mais, dans le nouveau programme que nous avons, le programme de développement que nous avons, ce n'est pas seulement les médecins que nous avons besoin, cubains, 15 spécialistes cubains, qui ont 32 jeunes cadres. Nous voulons parler de 32 jeunes ingénieurs agronomes haïtiens, qui eux-mêmes, qui apprennent formation dans les cubains, pour leur cubain finalé, pour nous gagner haïtiens, eux-mêmes qui sont capables de charge. Entretien et construction, barrage, irrigation, tout pour l'avenir. Et nous avons eu une chance, avant de nous quitter Cuba, de recevoir quelques étudiants haïtiens. Nous voulons parler d'étudiants qui coordonnaient le groupe étudiant qui a étudié la Havane. Nous n'avons pas de temps ouais, avec l'équipe. Santiago, parce que comme nous connaissons Santiago de Cuba très loin par rapport à la Havane, et je dis c'est un joli col bouillot. Mais, bien, ça m'entendait, qui va te faire bien du tout. Là, on s'est mon habitué, et puis l'État fait 3 mois, il y a des cotisations pour vous et pour vous qui vous permettent. Il y a des besoins primaires, ça veut dire nous parlons de, par exemple, photocopie, nous parlons de recherche dans Internet que tout le monde a voulu faire. Et l'autre besoin que vous avez, vous dites moins que vous ne pouvez pas recevoir comme ça depuis 3 mois. Moi, je parle avec le ministre, ensemble avec le ministre de la Santé. Il y a une décision qui prend, vous prend pendant Cuba même, moi que vous pas baillou. Et faut nous dire l'autre ça encore qui est important pour nous, c'est pour nous être une discrimination. Si moun qui a la médecine, vous allez recevoir une allocation qui est plus haut que si moun qui est dans le génie, qui est dans l'autre discipline. Yo. Nous tout ranger ça, nous disons pour tout le monde même bagaille. Nous avons toujours été dans l'aéroport international, tout seul ouverture dans Port-au-Prince, dans le cadre de Point de Presse, président de la République la Tribaye, après participation le 24 octobre dans plusieurs activités dans le pays Trinidad et Tobago, le pays Cuba. Et bien, président de la République la Jovenel Moïse, les renouvelé actifs. Chef l'État, salué travail, premier ministre pays, Jean-Henri Seyant a fait pour capable rencontrer tout secteur de la vie nationale. Là. Toujours dans le micro, Sabine Jean-Etienne et Jean-Henri Verlet. Ma profite, félicite, travail, mon ouais, à partir de l'information que nous avons pendant mon autre bois travail que la police nationale a fait dans les affaires de sécurité dans le pays. Mais m'a dit que c'est son travail que nous pensons qu'il ne peut pas camper du tout. Parce que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de sérénité. Et m'a profité de l'occasion de ça. Un coup de chapeau pour le Premier ministre. Parce que je connais qu'il a travaillé, qu'il a rencontré mon jour et nuit dans les affaires de dialogue. Là. Parce que je nous dis, pas dans quel pays sous la paix qui a développé sans stabilité politique. Stabilité politique, l'on nous a toujours dit, c'est le premier des biens publics
pas dans quel côté que nous aller sans bien ça. Son bien qui est important pour nous en pile. Pour nous yon, nous garder l'autre dans les yeux pour nous dire la vérité. Parce que c'est Haïti d'abord. Dortchallis family. Que c'est pas collectivité à que nous privé sous tête pas nous, nous fait des fautes graves. Parce que pays, si nous arrivons à mettre tête nous ensemble, nous avons un pile gros bagage que nous avons fait bouillir. Il faut ne pas oublier que pays, c'est 27 750 km², pays, c'est 146 communes, pays, c'est 572 sections communales. Ça veut dire, tout haïtien, ça y est, il y a toujours voulu vivre avec l'autre. Nous-mêmes, qui veut dire qui est élite pays, nous avons un seul choix. On Noël dans la paix, on Noël dans la sérénité, on Noël dans yon remè l'autre, parce que yon nan, il va gagner la situation. Faut nous garder calme, garder sérénité nous, parce que c'est démocratie, faut gagner moun qui d'accord avant, faut gagner moun qui pas d'accord avant. Et nous prenons les kounia dans le Parlement haïtien, Jean Tédirito dans Grand Titio, membre conseiller supérieur police nationale, CSAPN, à l'Assemblée sénatoriale, réaliser une séance de travail, jour qui m'a dit 4 décembre, sous question sécurité pays. Premier ministre Jean-Henri Seyan précisé qu'il y a un pilier fort qu'a fait sur question sécurité, pendant qu'il parlait sur travail à diverses institutions dans l'État, à faire pour capable garantir un climat, la paix, par bon ici. En nous suivant extrait, la déclaration premier ministre, la Nico Fidler confident avec Isabella Chéri. D'après loi sur la police là, c'est 3 réunions ordinaire CSPN n'a rien pour le faire par an. Et bien depuis monter c'est une réunion extraordinaire, même nous dans sous 7 déjà avec la police là. Et me voulait là prendre tribune ça pour me remercier, féliciter directeur général de la police là. Policiers qui font travail que me demander pour tout le monde commencer à prendre comprendre capable d'évaluer par rapport à la capacité, moyen que vous gagnez. Mes amis, 16 000 policiers pour 11 millions d'habitants. Dans le pays, côté insécurité, c'est pas Jodi Alvini, insécurité a là quelques jours. Mais la police a gommé avec mes moyens de gagner et petite quantité effectifs de gagner. Jodi a. Parlement de nous, dans le branche Sénat, et sûr, c'est pareil, dans le branche député, moi certain, nous allons gommer ensemble pour nous battre la police capable d'équiper tête libre pour travailler à la fête. Il y a un pile problème. C'est certain, nous ne pouvons pas déballer tout le bagaille là, parce que le travail qu'a fait au niveau de la police, au niveau du CSPN, il y a un pile bagaille, c'est à huis clos pour nous traiter. Même quoi ce moment tout, pour nous dire la vérité à peuple haïtien. Vérité à tout côté et m'espérer. M'espérer que chef police là que me connaît tel que me connaît, avec capacité le gagner pour que le retrouve calme et sérénité, capable de dire tout, toute la vérité sur question. Parce que peuple haïtien l'a suivi nous. Je vous dis à ce moment vérité à, que vérité a parlé entre nous. Et c'est cette vérité ça qu'a fait. Que nous tous suspendons goumen yon contre l'autre. Parce que le pays est en danger. Insécurité allemande et tout le monde. Nous sommes dit là, président. Insécurité a fait ravage. Et insécurité ça, l'entrée dans ce cycle là. Pas qu'il y a investissement dans le pays à tout le temps qu'il y a insécurité. Pas qu'il y a touristes dans le pays à tout le temps qu'il y a insécurité. Pas qu'il y a production nationale tout le temps qu'il y a insécurité. Une séance qui était durée, un paquet de temps qui était fini dans mi-temps de la nuit. Dortchallis family. Plus de détails dans la prochaine édition nouvelle sur ce qui était déroulé pendant la séance avec membres CSPN
ak asanble senatèr sou dosye sekirite peyi d'Ayiti. E nan toujou rete nan parlement ayisyen, pwiske gen yon depute sirkonskripsyon biladèr la, Gershon Girard, ki demanti kek ajan douanyen ki ta longe dwet sou li, kom kwa dire li ta gen li ta nan kontreman nan. Parlementè a mete ajan douanyen sa yo an defi d'apre sa li deklare pou kapab pouve kote li ta implike nan dosye kontreman nan. A nou soujou ekstren nan deklarasyon nan Niko Fedner Konfidan ak Isabella Chéri. Nou te bondye, oui. E jouman sa nan bitou avèl, se paske nou toujou kampi bo kote moun ki pi feb yo, e douanye yo konen ki esi kote bondye yo. E nan la douan, moun ki ap goumen pou lcheche la jè manje pitit li, kal pase mizè yo lèl kote bondye. Moun ki rentre nan douan, ki gon machandise ki ta suvoze de douanye, 1 milyon de gout par exemple, yo balon yo rentre nan bureau yo négocie yo balon on bordeaux 100000 goud 50000 goud c'est li rele importateur rele le papa tout des fois nous même nous dénoncer ça yo et n'a dit nous té tout simplement pendant occasion on dit tout pour cap utiliser la force faut que li utiliser force proportionnelle mais pas cap comprendre sur toute frontière yo chaque monde que un agent douanier tué c'est même genre un chien que machine écrasé. Et organisation qui a défendu à moun yo pa jam accompagner fami moun sa yo. La justice pa jam al gade pou fè différence entre yon zak ke on douanye li même li pose avec yon moun ki a fè contrebande. Comment ka comprendre pour yon moun ki son motocyclette ou bien ki son on jeep pour agent douanier uniquement tirel. Nou kwè ke c'est parce que nous député. C'est parce que l'argent l'État paye nous pour nous d'accord ça. Nous dénoncer, nous dit c'est occasion pour tout le monde comprendre. Fok gagner de institutions qui mettent sous qui contrôler zak tout le monde qui azam a fait. Dans sens ça nous-mêmes nous dit n'importe monde capable à le vérifier si on connaît un business qui c'est un quelconque business député Gershon Girard Jean Douanier au deal. Pour ou même ba adresse là ou relé dimen sou côté ou li gon business moi pas importateur moi pas commerçant moi pas exportateur et si c'est pour dossier Jean Douanier a dit me charger dossier me grand pile dossier tout dossier moun que yo a fait abus sous frontière ces dossiers pam et ça fait moi toujours pointer du droit comme député contrebandier c'est parce que ni député qui sorti sous zone frontalière yo pas jamais accompagné moun qui sous frontière qui a fait abus. Ni organisation qui a défendu à moun pas jamais camper pour le dire c'est pas parce que yon moun a sous frontière li a un sachet spaghetti nan mel li a un petit sac nan mel pou ka tirel et depuis ces douaniers tirent moun yo tout relé le contrebandier. Et n'a quitté parlement haïtien qui était à ce n'importe Port-au-Prince, nous te dire la gratitude tout, nous pour aller dans la question francophonie, puisque l'Organisation internationale la francophonie, OIF, l'ouvrit à Yemadia officiellement forum entreprendre en francophonie dans le local Triomphe qui était à Sochelmas, la capitale pays. Renforcer capacité pays francophonie et puis faire promotion travail entrepreneuriat, femme ak jen, c'est quelque parmi priorité forum. Amélioration environnement entrepreneurial pays a renforcer capacité pays francophone, faire promotion travail entrepreneuriat pour femme ak jen yo qui souvent isolé, c'est quelque parmi objectif 4e édition forum ça k'ap fèt nan Port-au-Prince d'après directeur bureau régional OIF pour Caraïbes ak Amérique latine nan. Ce forum organisé sur le thème soutenir le développement de l'entrepreneuriat est venu à un moment où le gouvernement mobilise l'ensemble de la fonction publique à recréer un climat favorable aux investisseurs, mais surtout à celles des jeunes et aux jeunes femmes. À ce titre, il n'y a pas longtemps, ici même, le ministère a lancé le programme d'appui pour l'entrepreneuriat jeunesse. Qui a son surnom PAPEJ, qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeunesse en vue de créer beaucoup d'emplois, ce qui va avoir des incidences positives sur l'économie nationale. Directeur général ministère commerce et industrie fait connaître forum ça vini dans un moment côté gouvernement décide créer un climat qui favorable pour jeunes yo dans l'idée pour créer plus de jobs. Daniel Denis dit quoi jeunes ça yo c'est clé économie et puis des Caraïbes.
En effet, le forum Entreprendre en francophonie est une initiative portée par la direction de la francophonie économique et numérique et promue dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Cette action de l'OIE s'inscrit dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors de leur sommet en novembre 2014 à Dakar. Le concept de fora entreprendre en francophonie va au-delà de la question essentielle de la formation en entrepreneuriat pour embrasser tout particulièrement des activités portant sur l'amélioration de l'environnement entrepreneurial, l'échange d'expériences et la mise en réseau des acteurs. C'est vous dire que l'OIF est en parfaite symbiose avec le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Quatrième édition Forum Régional SA, qui a réalisé dans Port-au-Prince pendant des journées, a permis à Francophonie de faciliter l'échange pour une amélioration entrepreneuriale dans le pays. Nous prenons le domaine de la technologie sous l'ordre du président de la République, Jovenel Moïse. Conseil national de télécommunication, qu'on appelle, mettez un signal Wi-Fi gratis, Tichéri, dans la zone d'enchaînement. C'est l'autorité de l'État pour l'initiative qui permet d'utiliser Internet pour capable envoyer messages et puis faire recherche à partir de téléphone sur plusieurs applications, ou soit réseaux et sociaux. Puis loin, citoyens souhaitent l'autorité de mettre un signal Wi-Fi gratis sur l'autre place publique dans le pays pour plus de monde capable de bénéficier de services. C'est là. C'est là nous fermons chapitre local, là nous pour aller à l'étranger, nous te dit dans grand titre, nous pour aller dans pays Mexique puisque gagne un avion qui te gagne un avion touriste qui te gagne 4 moun nadani qui tombé dans la nuit mardi 4 décembre dans l'endroit ça pays Mexique. Accident ça arrivé pendant avion si là t'a volé une zone résidentielle et puis li al tombé sur un caille. 4 personnes qui étaient dans l'avion sont là, mourir là pour là, et puis il y a 2 autres personnes qui sont blessées. Toujours dans l'actualité internationale, nous parlons d'un pays, États-Unis, puisque il y a plusieurs sénateurs américains qui accusent le prince saoudien comme quoi dire, c'est lui-même qui a fait l'ordre pour être capable de tuer le journaliste Jamal Khashoggi. On nous suit un reportage avec Eurobus. Réunie à huis clos au Capitole autour de Gina Haspel, la directrice de la CIA, un groupe de sénateurs américains a été informé des conclusions du service de renseignement sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Ils sont sortis convaincus que le prince héritier saoudien... N'ai aucun doute sur le fait que le prince héritier a ordonné le meurtre et a été maintenu au courant de la situation tout du long. Devant un juge, il serait reconnu coupable en moins de 30 minutes. Ils ont dépecé M. Khashoggi comme un porc. Nous devons condamner cela avec la plus grande fermeté. Je veux juste trouver un moyen de le faire sans exposer le Moyen-Orient. Une résolution pour cesser tout soutien militaire à l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen avait franchi avec une nette majorité un premier vote au Sénat. Son approbation reste incertaine et dépendra notamment des actions de l'administration Trump face aux dirigeants saoudiens. Khashoggi aurait été assassiné après avoir pénétré dans le consulat saoudien d'Istanbul en octobre. Les Saoudiens ont inculpé 11 personnes, mais ni l'implication du prince héritier. Et n'a toujours été dans un pays étranger. Et nous avons plusieurs tweets que les voyaient à Yemadi soir. Président américain Donald Trump, il profitait de situation des autres qui gagnent dans le pays la France, dans ce qui gagne pour eux, à Donald Trump tacle Emmanuel Macron dans une série de tweets envoyés mardi soir. Le président américain rebondit sur la volte-face d'Emmanuel Macron sur la taxe sur les carburants. Pour lui, le recul du président français valide, je cite, « la conclusion à laquelle j'étais arrivé il y a 2 ans. L'accord de Paris est défectueux parce qu'il augmente le prix de l'énergie pour les pays responsables. » L'accord de Paris sur le climat avait été conclu en décembre. Les États-Unis se sont retirés de l'accord le 1er juin 2017.
Emmanuel Macron avait fermement critiqué ce choix de son homologue américain, lançant un populaire « Make our planet great again », une pique que Donald Trump n'a visiblement pas digérée. I like him a lot. Et c'est là, journal la rive dans Boutli, et avec notre plateau, permet que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. Président République, Jovenel Moïse, a présenté dans l'aéroport international toutes ses ouvertures. A Yamadi, 4 décembre, bilan voyage à 24 ans, les soutiens dans Trinidad, en Tobago, à KPI Cuba. Chef l'État a profité de renouveler l'engagement pour créer un climat la paix dans le pays et puis encourager le dialogue dans le tout secteur de la vie nationale. Membre conseil supérieur police nationale, CSPN, répondant à mardi 4 décembre à la question assemblée sénatoriale sur divers points qui ont rapport à la sécurité du pays d'Haïti. Renforcer capacité pays francophone et puis faire promotion pour femmes et jeunes capables de créer propre business payo. C'est objectif pour un forum organisation internationale francophonie OIF l'ouvrir à Yemadia en baptême entreprendre en francophonie. Et puis à l'étranger, 4 personnes mourir, 2 autres sortis blessés. C'est bilan, un accident avion qui est arrivé dans la nuit à hier soir dans le nord-ouest pays. Mexique. C'est grand point ça avec l'autre. Nous avons eu le plaisir de présenter dans le journal là, jeudi mercredi. Il était seulement pour nous capables de souhaiter au passé un très bon mercredi sur TNH, mais surtout rester branché puisque à 8h, nous avons mis au point, puisque nous avons pour nous capables de recevoir le secrétaire d'État à l'intégration du monde handicapé, Gérard Oriol Junior, avec lui, nous pouvons regarder plusieurs aspects dans la question de la catégorie sociale. Si là. Bonjour à tout le monde. Rendez-vous avec moi pour la télévision nouvelle. C'est demain matin. Bye bye.